retrouve en compagnie de Damien de Roubaix, hein, qui est notre invité pour cette exposition automne-hiver 2016-2017. Alors Damien est quelqu'un qui a 44 ans, hein, donc relativement jeune, on va dire, pour un artiste, et surtout un travail qui arrive à une telle maturité, on va dire. Il a fait les Beaux-Arts pas très loin d'ici, parce que c'était à Saint-Étienne. Il a passé 5 ans qui ont été très riches pour lui. Damien de Roubaix a fait un trajet même assez atypique. Hein. Il a passé en particulier une dizaine d'années à Berlin, où il s'est consacré et a étudié aussi et a regardé l'art germanique dans une tradition expressionniste auquel il est sensible. Par la suite, Damien a développé un travail qui lui est quand même tout à fait personnel, avec en particulier la notion de montage, hein, de comment des images, voire des textes, des mots, vont pouvoir se télescoper comme ça dans la peinture. Et un petit peu le système de qualité mis en place, on va dire, dans le cinéma, en particulier dans les années 20. Il a proposé en fait de faire un travail directement sur la notion de l'enfer. Là, vous voyez, depuis 1988 que le Centre d'art existe. Aucun artiste n'avait pris à bras le corps quand même le sujet, hein, qui embrasse en même temps, on va dire, la notion des diables, des monstres. Alors Damien, comment s'est venue cette idée, autant de monstres, de diables, de prendre les portes de l'enfer? Donc il y avait cette proposition d'exposer ici, et je me suis dit au début que la proposition risquait de paraître banale, de vouloir représenter l'enfer aujourd'hui. Tout en sachant que dans mon travail, j'utilise beaucoup une imagerie qui fait référence à l'Apocalypse, à un monde obscur, sombre, où l'expression du pouvoir doit être montrée, en fait. Et comme j'aime énormément Jérôme Bosch, des tas d'artistes qui ont joué avec ces thèmes, je me suis dit que c'était l'occasion, notamment par cette grande salle, de réaliser un très grand tableau qui essaierait de jouer avec ça, en évacuant bien sûr les poncifs ou le côté film d'horreur ou des choses comme ça, et que donc c'est plutôt des signes d'oppression, de tas de choses comme ça qui allaient. Shakespeare, pour dire que l'enfer est voilà, vide, évidemment que tous les monstres sont ici. C'est ça, et Shakespeare ajoutant que le monde est une vaste scène. Moi, mon tableau est construit sur cette idée-là, puisque vous voyez que cette espèce de représentation de l'enfer est entourée d'un nombre de portes, mais avec un plancher comme on pourrait trouver au théâtre, et que les différents personnages arrivent de se mettre en place un petit peu de chaque sortant. Alors, de chaque porte. Azuzu, par exemple, hein, qui est un diable, un monstre de Mésopotamie, je crois, hein, oui. D'Asie occidentale. Tu veux me parler un petit peu de Azuzu, hein? Pazuzu, il est connu en général comme étant le diable du film L'Exorciste, mais en fait, moi, il m'intéresse parce que c'est un personnage plus complexe que cela, puisqu'il n'est pas noir ou blanc, mais il porte à la fois la vie et la mort, d'où la main levée, la main baissée. Celui-ci, qui est représenté, n'est pas une sculpture étiphalique, mais normalement, il peut l'être, et donc il porte la vie. Mais en même temps, il a les côtes apparentes, donc c'est la mort. Il a ses deux paires d'ailes qui apportent les vents du sud avec la sécheresse, les invasions de criquets, etc., et les autres qui apportent les inondations, le froid, etc., etc. Donc c'est un personnage qui n'a pas qu'une... Ce que tu relèves, tu parlais d'expression du pouvoir, c'est quelque chose que tu évoques souvent en fait dans ton art, mmh. à travers tout un ensemble de symboliques, que chaque sujet en fait porte à travers son symbole une dimension critique, et une dimension critique aussi par rapport à notre société vue d'un niveau universel. Hein, mmh. aussi. Et aussi, tu rappelles assez bien constamment que bon, la notion de blanc, de noir, n'est pas manichéenne, n'est pas ton propos. Ouais. Que précisément, il est trop facilement utilisé dans nos sociétés pour déclencher les guerres, ouais. ou pour, en tout cas, les accréditer. Et que tu sembles dire que finalement, dans chaque diable, tu parlais du diable qui était porteur de lumière, je crois, à un moment donné, mm-hmm. comme ça, porteur de connaissances,
que dans chaque personnage dit monstrueux, il y a aussi du positif, des messages qui sont parfois positifs, quoi, en fait. Et que, voilà, c'est pas si simple et que c'est plus subtil qu'on y croit. Voilà. Mon travail a commencé en 2001, c'est-à-dire en plein dans l'ère de George W. Bush, c'est-à-dire à une époque où, tout à coup, il fallait se poster du côté du bien ou du mal, des forces du bien et des forces du mal, etc. Comme si toutes les choses étaient si simples. Chaque personnage est plutôt un signe. Donc vous avez des choses que je prends dans des revues, dans des publicités, sur des pochettes de disques, sur Internet, des musées de l'histoire de l'art. Mais aussi le personnage qui semble être le diable ou son incarnation est peint d'après la description que fait Salman Rushdie de Salavin Shamsha dans les versets sataniques au moment de sa métamorphose absolue, d'où cette fumée jaune et noire qui sort des naseaux, son immensité. Et on va après tout développer à l'étage, avec des dessins, etc. Oui. D'autres, comme une suite, enfin des suites narratives, on va dire, parfois, ou des études aussi de la grande toile qui a été réalisée ici. Hein. Je rappelle qu'elle fait quand même 4,50 m de haut, sur plus de 6 m de long. Hein. C'est un travail assez gigantesque. Et que ça prend en même temps, dans sa présentation, la forme, on dirait, plus davantage d'un retable. Pour accéder à la peinture, il faut traverser une sorte de cloison percée de cette porte. Alors, c'est évidemment les cercles de l'enfer dans lesquels ils sont élevés. Et il faut rappeler que dans les églises orientales, par exemple, ces murs de cloison existent, on appelle ça des murs de cloison, sur lesquels on pose parfois des tonneaux, et qui séparent le côté profane du côté consacré ou sacré, quoi, en fait. Hein. Et donc on traverse et on arrive dans un lieu où on va se recueillir, de même qu'on se recueille nécessairement devant une peinture aussi grande. Une époque, j'ai beaucoup étudié le baroque, ça me fascinait. Et en parallèle à ça, le cinéma était extrêmement important. À la fois, il y a à l'étage donc toute une série d'études sur le tableau, où on voit comment ça s'est mis en place, comment certains éléments étaient recherchés, etc. Mais aussi donc cette grande cloison de bois ancrée et gravée qui permet d'entrer et qui possède cette porte et qui renvoie un peu à la manière d'un film qui était très important pour moi, qui est l'année dernière à Marienbad de Alain René, où il y avait sans arrêt des renvois par des champs contre champs, par des éléments de accroché au mur, qui renvoyait au jardin, il y a toute une construction avec l'espace. Ici, vous avez ces portes, au-dessus desquelles sont gravés des signes. Les portes, vous les retrouvez ensuite, il y en a donc 7 là-bas. Ici, vous en retrouvez 6, avec derrière les portes ouvertes, différentes scènes, différents personnages qui en sortent. Et puis, il manque la 7e porte. Donc, voilà, le spectateur se retrouve à la place de cette porte-là. J'avais donc prévu ce rez-de-chaussée avec cette œuvre monumentale, cette double œuvre monumentale, parce que j'avais le Creux de l'Enfer, c'est un endroit très important pour moi, j'y suis extrêmement attaché parce que j'y ai vu des expos formidables, et depuis effectivement mes études, je me suis dit que c'était une bonne idée d'inviter des artistes, des sculpteurs donc, et de leur proposer un thème qui serait lié à mon exposition. Donc je leur ai demandé de réaliser une sculpture. On a tous un socle commun, et puis ça devait faire à peu près 2 mètres de haut, et le thème c'était l'ange déchu, donc Satan expulsé du paradis. Et on a eu des versions très différentes, entre Gretel Weyer, qui a réalisé un massacre d'animaux en céramique, au-dessus duquel se trouve un enfant portant un masque de bouc et une peau de bouc. Fabien Souge qui joue toujours sur l'ironie, sur des légers décalages, qui nous propose une sorte d'ange déchu qui se retrouve être un poulet rôti. C'est une sorte de signalétique pour être vu de loin. Voilà, oui. Pour lever la tête. Là. Gaston Damag, artiste né philippin dans une tribu, fils de chaman, et qui a un travail qui nous parle de sa culture, de comment elle a été à la fois grignotée, métissée, transformée, etc., par le modernisme, et comment il joue donc avec la figure de la sculpture bulule, qui est la sculpture traditionnelle de son ethnie, avec les clés du modernisme.
Et enfin, Yannick Vey, qui est un sculpteur qui réalise toujours des œuvres qui sont ensuite gravées, peintes. Voilà, il a réalisé des jambes de Satan tombant, absorbées par la lumière qui devient obscurité. Et les jambes sont couvertes de cygnes, de cire d'abeille, et qui est oui, un artiste stéphanois. Et une dernière petite question très rapide. Est-ce que tu te vois faire le Jardin des Délices, par exemple, par la suite ? Il faudrait s'y pencher un peu plus, ouais.